Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo sur Army Men RTS. Aujourd'hui, nous passons à la mission 12. Après avoir réussi difficilement la mission armée d'un seul homme, on arrive donc effectivement maintenant au grenier pour la mission 12. Déraillement, c'est parti. Donc là, on approche de la fin du jeu, hein. 12 sur 15, ça va arriver vite maintenant. Bon, déraillement, vous l'aurez deviné, c'est en rapport avec un train. Welcome to the Addicts Arch. Happy to check, c'est le retour. Deep behind enemy lines. Intersect them. Larry of the Beast. Where few have entered and even fewer have... Got some interference. Tucky Wilkie de Sarge, le chic, l'imbécile derrière. There's a train carrying supplies in the Blitz's compound. Vous devinerez déraillement, pont, train. Blow up the bridge, got it, over and out. Escorchis se gratte les fesses, comme d'hab. Bon, ok, hein, du coup, déraillement, pont-train, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire dérailler le train sur le pont, voilà, hein, tout simplement. Du coup, voilà, on est dans les montagnes, le pont est tout en haut, et on va regarder tout de suite les objectifs de médaille, et on va mettre Brensic. Ok, alors, détruire toutes les fourmis, putain, c'est un objectif. Et détruire tous les bâtiments belges, ok, pourquoi pas. Bon, objectif Brensic. Au moins, il n'y a pas de limite de temps ni de plastique, c'est ce qui m'arrange. Bon. Go. Alors, on va faire encore le QG. Ah, merde. Hop, 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 hop. Bon, là, par contre, Chic, je suis pas très content de te retrouver. Le reste, pourquoi pas. Le reste, pourquoi pas. Bon, ok. Au moins, il n'y a pas de limite de plastique ni de temps. On va pouvoir se faire plaisir, je l'espère. Ah, merde, ouais. Plutôt près du plastique. Ils vont gêner. Ils vont gêner. Bon, c'est pas grave. Ok, on fait des collecteurs, ouais, du coup pas de limite de plastique, ça me fait plaisir. On va juste faire attention à ne pas perdre nos héros, hein, du coup maintenant. Bon, impeccable. Ok, une caserne. Ah, une vache. On peut attaquer la vache. Ah oui, c'est vrai. Ça sert à quoi attaquer la vache? Alors, il y a un corps de soldat qui vient de tomber. À quoi ça sert d'attaquer la vache? Bah, à part entendre un bruit de vache, ça sert à avoir du plastique, regardez-moi ça. Eh oui. Voilà, on tue le petit mouton. Donc on a le mouton, bon bref. On va faire toute la ferme. Ok, donc là, mes dépôts, enfin mon dépôt est fait. Dès que j'ai trop collecteur, j'améliore le QG. On a une caserne, on va faire un garage. Ah, est-ce que les Belges ont beaucoup attaqué? Je sais pas, je sais pas du tout, parce que la mission... Ah, il me semble qu'il y a une petite base belge là-bas, où il y a une petite connerie comme ça. Ok, donc le terrain est en pente, il va falloir faire attention. Il me semble que la base belge est en haut, hein, évidemment. On voit les petites routes qui relient à rien, donc il y a forcément des bâtiments, je pense, si je me rappelle bien. Et donc là, ok, on va faire un dernier collecteur et on améliore tout ça. Bon, par contre, ouais, on va peut-être défendre un peu s'il nous attaque. Hop là, ok, ouais. On va refaire la technique des mines, parce que je pense qu'il n'y a pas de démineurs cette mission. Enfin, j'espère pas. Et on va faire une petite ligne de défense là derrière le buisson. Ok, bon. On a... Ça c'est pas le... Je sais pas, le petit jouet pour chien, je crois, le Chew Toy, ouais, bon. Je vais pas trop avancer aux héros, parce que j'ai pas envie de les perdre. On a pas de démineurs, on va faire attention à ça. Donc bon, ok, ok, ok. Allez. Au moins on a du plastique, ça m'arrange. On en a, ouais, beaucoup là. On a un petit fer à souder, oui, pour l'électricité, donc c'est parfait. Ok, bon, alors. Ouais, si mes collecteurs voulaient bien se dépêcher et arrêter de gêner encore. Ok, parfait. Garage 1 ou 2, ça va plutôt être 2, mais on va d'abord en faire 1 et des défenses. Voilà. Je sais pas à quoi ils vont attaquer. Ouais, merde, c'est en pente en plus, ça m'arrange pas du tout ça. Hop. Une petite défense, on va dire, assez basique. Qui pourrait marcher, je l'espère. Hop, voiture à mine tout de suite pour faire des mines. Et ambulance tout de suite pour se soigner. Ok, bon. Parfait, parfait. Ah ouais, par contre, là, il va me falloir du plastique, les gars, parce que j'ai une consommation qui va être importante avec les défenses. Je pense qu'ils vont arriver par là. Par là, hein. Pas 36 possibilités, de toute façon. Donc là, on a le petit circuit du train qui passe dans les tunnels, hein. On a une petite ferme, très sympa, une petite ferme pédagogique. Ah, voilà, le train est là. Ok, donc là, il va falloir le péter, parce que il est en train de livrer, vous avez vu, du plastique à Blintz, hein. Nous on galère avec des chew-toys et Blintz lui a des cargaisons de plastique qui arrivent, c'est cheaté. Il faut remédier à ça rapidement. Bon, ouais, et bah, c'est bien ce que je pensais, ma ligne de défense me coûte un bras. Ah, est-ce que je pourrais avoir ma voiture à mine au moins? Non. Bon, tant pis. Au moins l'électricité qui arrive, ouais, les bunkers, hein, c'est 300 de plastique à chaque fois, ça coûte cher, hein, les bunkers. Bon.
Bon, là, ma pire crainte, ce serait de me recevoir des grenades ou de me faire attaquer. Bon, ouais, un des mineurs, il me faut aussi, mais j'ai déjà tellement pas de plastique que ça va être compliqué. Ah, la voiture à mine. Bon, parfait. On va pas s'embêter, on va faire la pique mine. Ok, bon. Ouais, c'est bon, le plastique est de retour, là, non? Oh là là, mais yonk. Je pensais pas que la pénurie serait aussi sévère. Si là, je rappelle encore une fois. Nope. Bah voilà, qu'est-ce qui s'est. Putain, je me suis fait avoir. Quand la mine n'est pas finie, elle peut se faire avoir. Mais là, c'est le pire, c'est qu'il y avait un mirador qui a pu me tirer dessus. On va ramener Shrap. Et il va me faire un sniper pour que je vois où est ce mirador. Ouais, à moins que la voiture à mine détecte de loin, ce qui me paraît improbable. Bon. Ah merde, quoi, on a déjà fini le Chew Toys? Hein? Ah ouais, je disais qu'on a plein de plastique, mais pas tant que ça, finalement. Bon. Ah merde, est-ce que là, me détecte? Est-ce que là, je la détecte? Ouais. Ah non, merde. Voilà. Je pensais avoir trouvé un life hack, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, mon plan était nul. Ok, bon. Eh bah, ma ligne de défense m'a coûté un bras. Eh merde. Eh bah, c'est la crise du plastique, hein. Chew Toys, c'est de la merde, en fait. Je m'attendais à un truc stylé. Bah non. Bon, bah là j'ai une fois des ambulances. Bon, et il me faut améliorer ma caserne, c'est encore 400. Ouais, espérons que la ferme me suffira. Ah ouais, là. Heureusement que j'ai des cargaisons de plastique qui arrivent, parce que sinon, fou. Là, c'est bien, c'est bien. Impeccable. Ok, l'ambulance qui est là. Ouais, la caserne qui a presque fini de s'améliorer, c'est génial. Un sniper ensuite. Des mineurs, je l'ai. Il me semble qu'il y a des mines. Hein. On va faire très attention à ça. Ouais, on va avancer progressivement. Il faut tout. Ah ouais, j'en étais sûr qu'il y avait des mines. Il me semble même qu'il y a des ennemis après. Ouais, non. Bon, il y a l'air de rien y avoir pour l'instant. Ok, des petits arbres. Pourquoi on peut pas recycler les arbres? Ah merde, ok, bon, bah c'est ça. Wow! Oh la vache! Eh ben, je m'y attendais pas du tout. Oh, j'ai vu la trace rouge là, j'ai paniqué. Heureusement que c'est pas un membre de la compagnie Bravo. Oh, merde! Eh ben, s'il m'attaque au sniper, laissez-moi vous dire qu'on va moins rigoler. Oh la vache, ça m'a. Oh! Ah ouais, là. Bon, ok. Je crois que la technique, on commence à la connaître. Hein. On va faire des hélicoptères. Mais dans mes souvenirs, il y a des DCA au niveau du pont là. Donc c'est peut-être pas une très très bonne idée. Bon. On a un nouvel atout qui s'appelle la loupe, hein. Je sais pas si vous avez vu avec l'opérateur radio que je ne fais jamais depuis le début parce que ça coûte très cher. On peut faire une loupe. C'est quoi une loupe? C'est en gros, je sais pas comment on peut dire ça, ouais, un canon, enfin, un rayon qui va absorber et qui va faire de gros dégâts. Quoi, encore. Voilà, comme ça. Bon. Hélicoptère ou tank? Ouais, l'hélicoptère est plus mobile, je serais plus pour l'hélicoptère, moi. Ouais, par contre, on va finir avec ce tour de garde, là. Donc, ok, il y a pas mal de tours et tout. J'ai peur qu'on soit ralenti, mais l'hélicoptère est plus mobile, ouais. Bon, eh bah. Je vais aux hélicoptères, je commence à en faire en toutes les missions. J'ai pas envie que vous pensiez que je fais tout plein la même technique pour gagner. Donc, je sais pas trop. Bon, on va voir ça. Ok. Ah ouais. Bah, au boulot, toi. Hein. Ouais. Ah ouais, pourquoi pas faire quelques tanks cette fois. Par contre, ils attaquent pas, je suis un peu étonné, je m'attendais à ce qu'ils attaquent beaucoup, mais non. Ok, bon, le mortier, ouais. Compagnie Bravo, et maintenant je vais éviter de les jouer, hein, parce que j'ai vu sniper là. En fait, on va faire. Par là, on va avancer aux hélicoptères, voilà, on va faire ça. Par là, on va faire hélicoptère, et par là, on va faire des tanks. Voilà, comme ça, la stratégie va un peu varier. Ouais, bien, Shraf. Impeccable. Shraf, hein, vous voyez, il est pas très résistant, il est pas très rapide, mais. Il est pas très beau non plus, mais il est. Tu fais le travail, c'est ça le principal. Bon. Ok, impeccable. Qui? Ah bah ouais, ça c'était sûr. Vous voyez, ces collecteurs, juste pour une mini boost de plastique, et bah ils y vont. Pas rien, c'est bon. Ouais, et bah là ça va pas être évident. Laissez-moi vous dire que ça va pas être évident. Surtout qu'il y a un sniper ici. Ah, on a un tank. Parfait. Ouais, mais il y a quand même un sniper. Bien. Ah ouais, il me faudrait juste un. Un démineur, les gars. Ouais, juste un démineur, s'il vous plaît.
s'il y a une mine, là, je m'en voudrais. Voyons. Je sais pas combien ils sont, mais... Mais envahi de tours. Donc, vous voyez, un shrap qui a une portée un peu plus longue. Bon, pas tellement, mais bon, un petit peu quand même. Ok, on va entraîner des mortiers, super bon jeu. Ok, bon là. Bah j'aurais voulu faire ma mine, je sais même pas si c'est une bonne idée. Ça se trouve, j'ai fait tout ça pour rien parce qu'ils vont jamais attaquer. Mais bon, vaut mieux pas prendre de risques maintenant. Ok, bon, là ma pire crainte, ça va être le sniper. M'apprête à être reçu par un sniper. Ah, non, même pas. Lance-roquette. Deux lance-roquettes. Ok, on va reculer. Annule-toi. Bon, tue-le. Voilà, ok, bon. Bon, on a tué deux lance-roquettes. Bon, je pense que ouais, les hélicoptères, c'est pas une bonne idée. Hein. Celle-là, parce qu'il y a des lance-roquettes, des tours de garde, là, non, c'est pas top. Ok, on va ramener le tank, du coup. Mais si détruire tous les bâtiments mèches, c'est détruire toutes les tours. Oh ouais, attends, on n'a pas fini, à mon avis. J'aime pas le sniper. Ok. Pour l'instant, ça roule. Ouais, très attention aux mines, encore une fois. Wow. Ah, c'est bourré de défense, là, franchement, c'est bourré de défense. Heureusement qu'on avance au mortier. Qui? Non! Mais quel con! Ah, est-ce que le tank va pouvoir refaire sa technique secrète? Quel imbécile, non. Wesh! Mais quelle portée, ce bunker? Bon, bah en fait j'ai fait plein d'ambulances qui me servent clairement à rien pour l'instant. J'ai perdu mon démineur, ça m'arrange pas trop. Bah tiens toi. Il m'en faut un démineur, mais le démineur il prend trop d'initiative dans le jeu. C'est pas la première fois que je me fais avoir par un démineur comme ça. Ok, 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 bon. Ah. Là ça commence à se gâter. Est-ce que mon char pourra aller tout seul battre une half-strike? Je pense que oui normalement. Caserne. Allez, espérons que le tank soit puissant. Je peux peut-être même ramener Sarge, ça m'est un peu fou. Merde, je n'ai pas le pylône. Ouais. Allez, oh merde, bah, je sais pas si c'est une très bonne idée. Une fourmi. Non, allez, fourmi, tue-le. Bien. Sarge. Je vais aller, Sarge, vite. Voilà, heureusement que le patron est là. On fait sortir Sarge, c'est bien, ça marche. Ok, bon. Parfait, franchement, ça casse les mortiers qui appuient bien, non, c'est parfait. Bon, ah ouais, mes collecteurs, là, ils peuvent peut-être retourner un petit peu charbonner. Bon, là, on avance petit à petit, vraiment petit à petit, mortier. On avance, mortier, on avance, mortier. Ah. Ouais, ok, bon. Au moins, il y a du plastique à ramasser. Et donc là, par là, il y a la base belge. En vrai, la carte est pas si grande, ça va. Ah, est-ce que j'améliore mon QG ou pas? Parce que ça coûte cher pour l'instant. On va plutôt refaire un autre tank, je pense. Merde. Ouais, un autre tank. 200 de plastique, bon. Ok, donc là, il y a... Ouais. Oh merde, non! Ah putain, ce que je voulais surtout pas voir est arrivé. Le sniper belge, le fameux sniper belge. Merde. Bon, bah il va me falloir un. Non. Il va me falloir à tout prix un sniper. Là. Sans sniper, j'avance. Sans sniper dans le jeu, c'est comme si vous avancez à l'aveugle. Parce que le sniper a une telle portée qu'il est trop important en fait. Bon, ok. Allez, là c'est bien. Là, les ambulances qui font vraiment le travail. Hein. Vous voyez, trois ambulances derrière pour le char. Heureusement que c'est qu'une half-track et pas un char beige, hein, mais ça fait vraiment le travail. Donc bon, ok. Ok, ok. En plus là... Yes, sir. Ouais, rolling. Il est où le beige? Oh, il m'a bien eu. Enemy sighted. Loading, rolling. Bon, il va se cacher où? Allez, on suit. Something hit us. Understood. Ah, ouais. Heading out. Bah là... Light it. Il fuit encore.
Bon. Ouais, faut à tout prix qu'on se guérisse pour l'instant. Ah. Oh merde, ils sont en train de faire un truc. Ça va. Ouais, bah ça. What do you need? I'm coming. Reporting. Enemy sighted. What do you need? On my way. Be right there. Be right there. Fixing. Merde, ça va sortir. À mon avis, ça va être un char vu le temps que ça prend. Allez, vite, vite, c'est pas le temps de sortir. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait un garage. Allez, ça a pas le temps de sortir. Ouf, bah je sais pas ce qu'il y avait, mais à mon avis, c'était un char. Bon, parfait. Ok, on a toujours un sniper beige à tuer. Moi, mon sniper, il est arrivé. Ah, parfait. Bon, bah, mon sniper est arrivé. Je vais faire avancer le tank. Il y a encore Blink qui passe dans son train. Ouais, il est dans son train, il nous fait coucou. Peut-être dans un de ses wagons première classe. Tu vas transporter son plastique. Il est pas bête, Blink, hein, quand même. Il use la PS2. Il use la lampe dans le jardin. Oh, merde. Oh là, oh, on est pas plein ça. Oh là, attention, ça va piquer. Ouais, allez, mets la deuxième. Reporting. Understood. Advancing. Oh, oh. Right. On my way. Fire in the hole. Reporting. Yes, advancing. Wow. Ready. Wow, il me fallait pas. Alright, right there. Oh, what a mess. Yes, sir. Wow, 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 on a pris cher. Oh, ok. Il faudrait juste pas qu'il y ait un sniper qui débarque sur Sarge. Peut-être le sniper qui est sur le toit de la grange, je sais pas. C'est pas possible. Bon, ok, donc là on a un tank, yes, qui est ici, pourquoi pas. Ouais, on va faire les hélicoptères là quand même. Donc maintenant qu'on a plus de plastique, on va se le permettre. Vraiment, la technique c'était d'avancer pour récupérer le plastique des bâtiments qui était pas trop protégé, je pense. On se méfie cependant toujours du sniper. Voilà, hop. Il était par là, sniper, il me semble. Je sais pas où il s'est caché. Il y en avait un autre par là, sniper, on retient bien. Qui? Ah, une fourmi. Light it. Light it. All right, who think we're under attack? Ouais, bon, alors, ouais, les mortiers. Sur le bunker. Non! Oh merde! Franchement, c'est con ça! Ouais, je pensais pas que le grenadier viendrait à bout de. Oh, chut. Bon. Ouais, et bah, j'ai pas envie de faire un duel de snipers, qui pourrait très bien avoir le mien. Et... Oh, j'en suis sûr qu'il va... Ouais, bah il m'a vu, merde. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là, puisqu'il m'a vu? Et bah, ouais, on peut... allez. NON! Wow, j'ai cru qu'il m'avait vu. Bon, et bah j'ai eu de la chance, hein. Là, j'ai... Ouais, fonce. Wow. Ma seule chance, là, c'est que le... C'est que le sniper ait vu le mien et que je suis parti au bon moment en fait. Ok, bon allez, le meurtrier c'est bon, ça fait le travail. On va refaire, ouais, on va améliorer le garage pour faire mes premiers hélicoptères. Et on va refaire un sniper, parce qu'on sait jamais ce qui peut nous attendre ici. Bon, c'est bon, le plastique il commence à bien revenir, je suis content, il faut le dépenser. Vraiment, quand vous n'avez pas de limite de plastique, dépensez-le, hein. Franchement ça sert à rien de le garder. Bon. Ah, et par contre, on sait jamais si les bêches tentaient une attaque ici, on va mettre une Pikmin. Ok. Ok, ouais, là, il y a toujours du monde ici, donc j'aimerais bien que mes hélicos s'en occupent. Voilà, en plus, comme on a beaucoup d'électricité, bah c'est parfait. Ok, allez, bien. Ah, ennemi. Ok, bien. Bien. Est-ce qu'il va louper sa grenade? Non, quand même pas, il est pas bête. Bon, ouais, merde. Ok, il me semble qu'il y a des bâtiments ennemis. Bon, là, pour l'instant, on est en train de bien nettoyer la carte, c'est parfait. Ah, merde. On a plus de plastique. Où est le plastique? Ouais, mais il m'aurait fallu une source de plastique, mais j'en ai pas. J'ai vraiment... Ah, ok. Ok, ok. J'ai vraiment aucune source de plastique, et c'est ça le problème. C'est qu'on a une pénurie de plastique, là, pour l'instant. Là, il y a encore un sniper à tuer, et c'est vrai que dès que j'aurai les hélicos, ce sera plus simple. Allez. Qui? Bah ouais, non, mais vous êtes cons, vous aussi. Arrêtez de la chercher. Impeccable, ça c'est bien. Ah, vraiment les mortiers, solution. Les mortiers au début, je les sous-estimais avant de faire cette campagne avec Brantic. Enfin, c'est pas que je les sous-estimais, mais on va dire, c'était pas pour moi le. Voilà, c'était des mortiers, c'était pas non plus l'unité à faire. Mais là, je me rends compte qu'avec Brantic, il y a une unité comme ça, c'est super utile, hein, parce que les dégâts ennemis sont tels que dès que vous avez la possibilité de les attaquer et eux pas. Exploiter là, et là les mortiers c'est parfait. C'est vrai que dans le jeu il n'y a pas de véhicule artillerie comme dans les Command Conquer, un truc comme ça, mais le mortier est génial, il fait vraiment le travail pour ça, moi je trouve.
Donc non, franchement, impeccable, impeccable. Bon, ouais, et mes hélicoptères du coup. Ouais, ça avance, ça avance. Ah merde, mais j'en étais sûr qu'il y avait un autre truc là, je me disais, il y a une base quand même. À mon avis, elle est protégée. Ouais, ah, faites attention de pas mourir, les gars. On va vous aller rapporter ça au dépôt déjà. Ah! Attends, attends, allez, 1000$ qu'il y a la mine. Ça cache quelque chose. Ah ouais, tiens, viens. Alors, est-ce qu'il y avait une mine ou pas? Moi, je dis que oui, il y avait une mine à côté du bonus. On va voir si le jeu est encore fourbe ou s'il a arrêté la fourberie depuis l'émission 7. Moi, je pense que le bonus est piégé. Bon, on y va, on va voir ça. Mon sniper. Il détecte plus. Ouais. Voilà. Bon, c'est clairement pas la mission la plus dure. Alors, est-ce que le bonus était piégé? Attention, est-ce que le bonus était piégé? Non, le bonus n'était pas piégé, il est entouré de petits agneaux. Ah, bah alors là, bonus d'armement, les gars, ils vont moins faire les Mario, regarde-moi ça. La puissance, n'importe quoi. Oh merde, ouais. Ah bah alors là, alors toi, t'es dans la merde, Jackie, parce que là... Ouais, on va péter le QG. Putain, le QG amélioré, ça, ça a rapporté beaucoup de plastique. Qui? Ah oui, bah là, oui, non, mais là, oui. Non. Ok, bah de toute façon, il y a mes hélicoptères qui vont arriver. Enfin, mon hélicoptère pour l'instant, mais... Oh, impeccable, impeccable. Alors là, franchement, regardez mon char, hein. C'est passé du char léger au char moyen. C'est pas le char lourd beige pour l'instant, mais... Mais bon, c'est pas mal. Voilà. Hop là, impeccable. Bon, il n'y a pas beaucoup de QG, je pense. Non, la technique des chars, elle est pas mal dans cette mission. Finalement, je regrette pas de ne pas avoir fait que des hélicos, en fait. Ouais, bon, alors attends, on va refaire un garage, parce que là, on devient un petit peu lent niveau production. Franchement, je crois que je vais la faire une prise, celle-là. Si je ne me trompe pas, évidemment. Si Sarge ne se prend pas une Ilou. Ouais, d'ailleurs, on recule un peu maintenant. C'est le sniper moi, que je veux tuer en priorité. Ils étaient par là, il me semble. 3 troufions, ouais, bah ça m'inquiète pas. Il y a un bonus d'armement. Pouf. Il y a personne. Hop là. Ah lui, je sais pas s'il veut, je crois qu'il avait verrouillé un collecteur. Alors attends, on va enfermer le sniper. Voilà. Ouais, sniper, aucune chance. Impeccable. Ouais, c'est super, c'est super. C'est super. On a tué le sniper. On fera juste bien attention aux mines. Il faut détruire toutes les fourmis aussi, j'ai pas trouvé où étaient les fourmis pour l'instant, c'était pas trop ma priorité, j'avoue. Ah là là, je pourrais même peut-être faire un dépôt ici tellement il y a du plastique à récolter. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On n'a pas de limite, et bah tu sais quoi, on va en profiter. Hop, le dépôt. Et comme ça, si le train s'arrête, il pourra nous déposer un os qu'on recyclera. Je ne compte pas trop là-dessus. Bon, allez, go! Il y a l'électricité, il y a tout. Hein. Les dépôts, faut pas hésiter à les déplacer. Hein. Là, c'est plus, on va dire, une mission aspect stratégie, mais... Elle est pas mal, elle est simple, elle est bien. Pour une fois que je peux dire qu'une mission est assez simple, hein, c'est vrai que pour l'instant la difficulté, on la cherche. Attacking, ouais, bien. Est-ce qu'il y a d'autres fourmis? Non, elle était toute seule, ok. On a vu encore des bâtiments par là, hein, derrière les montagnes, on va aller voir ça, y'a pas de soucis, n'inquiétez pas. Ouais, les collecteurs, ramenez le plastique. Ah ouais, parce que là il y a du chemin à faire pour ramener du plastique, c'est dommage. Bon, ok, ouais. Vous voyez, hein, finalement, une bouche de plastique bien remplie, c'est limite une nouvelle source de plastique pour vous, tellement que ça peut rapporter. Bon, ok. Moi, je veux avancer avec mon sniper. Je me méfie juste des snipers. Hein. C'est ma seule hantise, c'est que mon sniper croise un autre sniper, ou se prenne une mine à la limite. Ah. Bon. Je sais pas pourquoi les Belges protègent les petits animaux de la ferme. Les vaches, tout ça, bon. Je sais pas, Blin, c'est peut-être engagé dans... l'élevage bio, je sais pas, petite vache. Bon, tiens, Blin, c'est lui. Dommage qu'il n'y a pas sa petite tête, c'est un wagon, ça pourrait être sympa. Le train, c'est le grand... Enfin, si j'arrive bien à lire. Le grand Atlantique, on dirait, je sais pas, j'arrive pas trop à lire, ça va vite. Bon, ok, alors. Ouais, mon dépôt, parfait, ça c'est cool. Allez, ouais. Et bah, on remporte tous les gars. Allez, super, si j'ai assez pour faire un dépôt, donc, allez, on va l'annuler pour que le dépôt puisse se faire. Et bah ça va me sauver la vie parce que franchement, il y a plein de plastique à rapporter ici. Ok, on peut encore avancer. Il n'y a pas un sniper dans la ferme. Le sniper de la ferme, comme je le disais au début, non.
Il y a le mortier de la ferme. Bon, bah, voilà, le mortier de la ferme. Ah oui, mon sniper one-shot. Ah, il y avait une punaise dans la ferme. Bon, bah, ça, c'est pas cool. Et il y a une caserne. Ok, bon. Ouais, franchement, mortier avec bonus d'armement. C'est génial, c'est génial. Allez, on va voir ça tout de suite. Allez, les gars, envoyez la purée. On va voir comment ça va faire mal, mais dites-vous que les Belges, ils me font ça avec leur mortier aussi, quoi. Là, ça se voit pas tant que ça, finalement. Je m'attendais à pire, mais c'est déjà quand même très efficace. Bon, voilà, j'ai mon dépôt, parfait. Donc là, maintenant, j'ai mes hélicoptères qui vont arriver. J'ai fait un deuxième garage. J'ai mon assaut de char qui va arriver. Et mon sniper, parce que j'en avais un autre, mon sniper, démineur, mortier, voilà, c'est parfait. Là, franchement, bon, la production, ça dépense, ça y va. Oh, l'opérateur radio, non, franchement, non. Oh, parfait, franchement, parfait. On est vraiment en train de péter tous les bâtiments avec une simplicité peu commune. Ok, bien, on avance. Ouais, le laser, on n'a pas trop besoin de toi, finalement. J'évite de trop faire avancer mon sarge, parce que je sais pas à quoi trop m'attendre. Je crois que je peux même te faire rentrer à la base, Sarge. Ouais, parce que j'ai pas envie de le perdre bêtement sur un coup de sniper débarque. Bon, ah, qui? Ah. Où sont les mortiers? Ah, les mortiers. Non, mais c'est bon, les mortiers sont en train de me la ferme. Ah, voilà. Ok, bon. Et ouais, du coup, ici, par contre, il y a une DCR. Ah, il y a même une tour. Okay, bon. Ils sont où, les mortiers? Ah, attendez. Monsieur les mortiers, je crois qu'il y a une tour. Ah, il y a beaucoup de bâtiments belges, en fait, mais bon, c'est pas des... Non, franchement, ça va. C'est plus une mission, on va dire, relax, ça pose un peu le jeu, parce que c'est vrai qu'on était beaucoup sous pression ces derniers temps. Et là, non, franchement, c'est détente. Ok, bon. Ah, ouais, bah, vous voyez, je manque quand même de plastique malgré tout. Hein, parce que ma consommation est assez importante, c'est vrai. Ouais, on pourrait peut-être faire des parachutistes pour prendre le contrôle du pont. Ah oui, surtout qu'il faut détruire tous les bâtiments, il me semble. Ah, des mineurs. Je vais me taper, là. Y'a pas des bâtiments belges là non? Sous le pont. Y'a un arbre sous le pont. Ah, voilà si! Oh, le bâtiment caché, la fourberie hein! Ils ont mis une DCA sous le pont. Bon, pourquoi pas? J'espère qu'il y en a pas une de l'autre côté, non, je pense pas. Allez, c'est parfait, voilà, comme ça on va en finir assez rapidement. Mes mortiers arrivent. Mortier très important. Ouais, mes hélicoptères, on va faire un gros. Ok, ouais, non, franchement, impeccable. Vous voyez, l'obus d'une précision incroyable qui va juste au-dessus de l'arbre et qui explose sur la DCA. Impeccable. Est-ce qu'on peut voir une autre DCA en haut, peut-être, non? Non. Ah, peut-être là. On peut monter ici? Ah non, on peut pas. Bon. On va devoir faire un... Ah, oh putain, ils tirent vachement loin, ces gars-là. Incroyable. Bon, ouais, du coup, je disais, il va falloir qu'on aille au-dessus. Et au-dessus, ça veut dire qu'il y a des DCA pour moi. Non. Bah, apparemment, non. J'ai un souvenir de DCA, moi, mais... Ouais, bon, bah, ouais, c'est... Ouais, on s'en va, ça va. Ouais, bon. Et bah, je crois qu'on va devoir faire des paracommandos. Ouais, parce que ce con, il n'arrive pas à monter à partir d'ici, il estime que la pente est trop raide peut-être, je sais pas. Bon, ok, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire Mister l'opérateur radio. Ok, bon, ouais, là j'ai un groupe d'unités assez intéressant, on va faire pareil, la technique du sniper devant. Allez, go. Peut-être vous gêner, les gars. Même des hélicoptères. Qui... Ah, ok, bon. Bah ouais, les mortiers font le travail. Ouais, ok, bon, bah là, puisqu'on peut pas monter là, ouais, on va faire des paracommandos, merde. On aurait pu éviter de perdre ça. Ils vont passer par là, les hélicos, en attendant. Ah, bon, bah, les hélicos vont péter cette tour-là. Et les mortiers vont péter celle-là. Ok, bon, parfait. Ah, vous voyez, là, les hélicoptères avec le bonus d'armement, c'est ce qui nous a... Qui? Ah! Merde, c'est qui est mort? C'est mon sniper? Mince! Bon, bah, on a trouvé la quantité de fourmis qui se stockent au niveau de la montagne, ok. Et bah zut. Et bah on va refaire un sniper, tant pis. Hein. Franchement, on n'a pas de limite de plastique, on n'a pas de limite de temps, c'est un vrai plaisir. Ah, franchement, c'est un vrai plaisir. Ok, bon, là on a encore passé la ligne de défense, on va dire. Wow. Il commence à m'énerver, lui. Ça, c'est le coup qui te ferait perdre si j'attaquais au héros, je le sais très bien. Ah, mince. Ah, bah, il a quand même fait preuve de bon sens, il a attaqué
L'hélico le plus faible. Bon, ouais, oh putain, excellent. Excellent, excellent. Ouais, du coup. Ouais, il est arrivé le petit bonhomme. Qui. Un troufion. D'accord. Ah putain, quand les bâtiments, ça se trouve ici. Ouais, du coup, parachutiste, mec, s'il te plaît. Et ouais, on va aller fouiller par là. Non, mais je pense pas qu'il y a un bâtiment. Et s'ils ont collé un bunker ici derrière des buissons. Non, c'est nul, stratégiquement parlant. Et deux, c'est chiant et c'est fourbe. Bon, ok, bien. Ouais, donc on a son avance. Quoi? Ah bah tiens. Mais bien sûr que si, ils sont fourbes. Ok, bête. Bon, attends, on va changer de stratégie. Ouais, bon, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. En plus, ça c'est chiant, c'est la bouse qu'on ne pouvait pas ramasser. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont aussi bêtes. Ah. Bon. Ouais, mortier. Ils sont où mes mortiers? Je pensais en avoir beaucoup plus que ça. Ah, mais ils sont là. Ok, bien. Ils sont chiants à protéger les animaux. En fait, partout il y a des animaux. Y a... Ah, ouais, du coup, mon airstrike il est prêt ou pas? Non, il n'y a plus de plastique. Oh, non. Ah, ouais, les gars, faut en ramasser là, à la ferme. Bah, excellent. Bon, allez. Les mortiers qui font le travail, normalement. Excellent. D'autres hélicos peut-être? Non, je sais pas. Non. Bon. Qui? Oh. Bon, bah voilà, on s'est repris une colle. On est... je suis tombé sur une colle. Tu vois, c'est la démarche, trop. Bon, ok, bon. Ah, non, bah non, du coup, non. Ouais, non. On a Shraf. Imaginez que Shraf s'est fait avoir par les fourmis. Oh, la fourmerie. Ouais, bien. Ouais, bah, par contre, Shraf, tu respondes tout ça, s'il te plaît. Ouais, bien, mon sniper, c'est vraiment un chasseur de fourmis. Dommage que j'ai pas Bullseye, d'ailleurs. Il me manque toujours. On le retrouvera un jour. Ok. Ouais, allez, là franchement, allez, tous. Ouais, bah, t'es fort, mais peut-être pas à ce point. Impeccable. Bon, là, c'est bon, on a tué toutes les fourmis. Mais je pense qu'elles sont pas aussi chiantes que dans la mission 11, heureusement d'ailleurs. Ah, mais c'est pas possible, y'en a combien? Et y'a que ça, des tourelles. Hey, faut que les Belges ils se calment avec ça, sérieux, ils font que ça maintenant. Moi je pense juste à mon petit Shraf, j'ai pas envie qu'il meure. Putain, il y a des tourelles de partout, sérieux, c'est relou. Ah oui, du coup, mon airstrike, attention. Un gros coup de poker. Oh putain. Le temps qui vient s'en mêler, n'importe quoi. Genre, il va aller jusqu'au mortier. Il est énervé, lui. Et il attaque peut-être, non? Peut-être un script d'attaque. Bon. Il faut juste lui faire un mec chaud, ça sert à rien. Bon, ok, ouais, la base belge est là. Oh là là, il faut arrêter les tanks. Hein. Bon, heureusement que j'ai quand même des. Ouais, ok, bon, ouais, du coup, l'air strike là, on va jouer le premier air strike. Là, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est ma frappe aérienne qui arrive, hop. Ah, pas de sniper, non! Ah. Attends, je vais essayer d'en garder un. Allez vite, faut juste que les mortiers y pètent. Allez, tirez-moi. Ah putain. Non! Non, le seum. Si j'ai fait tout ça pour rien, franchement, le seum. Que... Oh non. Non! Oh! Je suis bête, j'aurais dû péter la DCA depuis longtemps. Comme ça, une fois que la DCA a été pétée, et bah j'y allais à l'hélicoptère. Allez. Il y a le temps de tirer. Oui! Allez, alors ça pète tout. Et je peux renvoyer un hélico pour vérifier. Ouais, j'aurais dû faire ça en fait. Ouais, je me suis un peu perdu dans ma stratégie, on va dire. Ah ouais, il me faut des hélicos là par contre. Normalement. Ouais, les deux trucs sont pétés, parfait. Et bah on va quand même renvoyer un hélico pour vérifier. Mais l'airstrike, ça a été une risée apparemment. Bon. Et ouais. Du coup, là, on arrive à la base belge. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va ramener mes véhicules. Qui... Ah, wow, 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 wow. Et bah, voyez, hein. Heureusement que de temps en temps, vous avez des tanks, hein, parce que là, vous voyez, la DCA, c'est vraiment le frein. Oh, quoi? Relou. Ouais, je dis, la DCA, c'est vraiment le frein ultime de l'hélicoptère. Et je peux vous assurer qu'en ligne, vous entourez votre base de DCA tellement vous avez peur de faire rush à l'hélicoptère. Et la DCA, mais, a dissuade votre ennemi, mais puissance 1000. Oh, okay. Ouais. Oh. Ouais, bien. Bon. Bah les fourmis c'est pas vraiment un problème. Je suis surpris dans le bon sens. Oh merde. Non! Mais non! Mais imbécile!
Putain, comment repérer un sniper bêtement? Ils veulent trop en faire, les snipers, ils veulent trop en faire. Ils sont comme Scorch, ils en font trop de temps en temps. Bon, ouais, là, il y a là. Oh, okay. On a un peu... Tiens, wesh. Quitte à blipper, tu vois. Wesh, c'est un rocket qui... N'importe quoi. C'est un rocket rotative. Bon, ouais, tant pis, je vais essayer la technique du tank. En espérant que ça marche. Ça n'a pas marché. Bon. Mon hélicoptère, il est arrivé. Ah, je... Ouais. Et vraiment... Shraf, fais gaffe à toi, mon petit, parce que... Aïe. Oh putain, il y a des perles vertes là. Bon. Ne me dites pas qu'ils ont recollé une DCA là-bas, parce que là, franchement... Quoi? Mais j'en ai marre! J'en ai marre! Pont de merde. Ok, il y, la... y a une DCA là-bas. Et bah, je crois que... Ouais, je voulais faire une loupe pour détruire la DCA, mais non. Wesh. Ah, mais tu vas pas monter, toi. Mais merde! T'écoutes combien de loupes? Eh ben, on va devoir faire une loupe sur la DCA. Mais faut pas que ça pète le pont, on va faire ça en dernier, parce que imaginez que la loupe pète le pont. Et ouais, bon. Et Sniper, il est où? Ouais, bah Sniper, grande pointe, on a besoin de toi tout de suite. Hélicoptère, il m'en faut plus. Ils sont où? Eh ben, ils sont pas là. Voilà, ça devient un petit peu la galère, là. Ah, je pourrais faire des dum-dum, non. C'est juste, c'est... ce pont, là, en fait, il me fait chier, ils ont collé de partout. Oh, what a mess. Non, parce que la DCA, c'est même pas envisageable de l'attaquer avec mes hélicoptères. Ça, franchement, si vous aviez cette possibilité en tête, enlevez-la tout de suite. C'est vraiment pas une bonne idée, mais du tout. Bon, ok, alors. Ouais, la base belge, elle est là. En fait, non, franchement, elle est vraiment calme hein, comme mission, et je la ferai en une prise sans trop d'hésitation. Maintenant, je pense que je peux annoncer... Ah, attendez. On peut inspecter tous les points de cette map. Ok, ouais, du coup. Mais non, mais... Ah, il doit y avoir un garage belge juste en haut, je pense. Maintenant. Wow! Wow. Airstrike ready. Oh, ça fait mal là par contre. Unit prions pour que le tank soit assez résistant. Oh, si je vais me péter le tank, l'hélicoptère vient appuyer. Wow. A few moments later. Désolé les gars, encore une petite coupure sur le disque dur de la caméra qui me filmait. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai même pas eu besoin de sauvegarder, j'ai juste eu besoin de refaire un tout petit peu de place sur le caméscope pour reprendre, mais pas de soucis, ça reprend. Donc on en était là, j'ai même pas eu besoin de sauvegarder, hein, je vous montre. Ouais, pas de sauvegarde cette fois, hein, que la sauvegarde de la mission de la 9, du coup ça avait bugué. Mais du coup là, je peux continuer dans de bonnes conditions, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, vous inquiétez pas. Bon, ok. Du coup, il nous reste une DCA là-haut. Ouais, mais j'ai dit que je la pétais en dernier. Bon, ah ouais, il faut que je m'occupe de ce garage aussi. Les hélicoptères, ils sont arrivés par où? Je sais pas où ils arrivent les hélicoptères, mais il me les faut tout de suite, ouais. Le tank, il va venir m'aider. Et les ambulances, elles vont venir aussi. Allez. Merde, oh, right. Ok, bon, bah, j'ai une mine qui m'a tapé l'ambulance. Ok, le sniper, ouais. Sniper. Je pense que le garage ennemi qui doit être plus haut. Wow, les fourmis qui sont garées comme des... Wow. C'est pas possible, ça y est, il a besoin de fourmis encore. On va éliminer les fourmis. Des colonnes de fourmis, des fois, je sais pas d'où ça sort tout ça. Ok, bon, allez, le garage belge il est. Ok, on a tué toutes les fourmis, il reste que tous les bâtiments. Putain, il y a des chars de partout, ça m'arrange pas. Bon, on va avancer à l'hélicoptère finalement. Alors, d'accord, hein, c'est bien détruire tous les bâtiments belges. Building. Bah non, il y a même pas de garage belge, je sais pas. On cherche. Ouais, là, l'air strike, il va arriver. Bon. Ouais, tank belge, c'est de la saloperie, hein. Encore une fois, quand vous êtes en hélicoptère, comme ça, vous avez l'impression que c'est simple, mais... Bon, c'est très bien que c'est l'horreur, en vrai, à détruire. Bon, ok, ouais, là, il y avait des bâtiments... Right there. Enemy sighted.
Non. Oui. Oh là là, heureusement qu'il y a le bonus d'armement, parce que là, vous voyez, mon sniper n'a pas foiré sa balle. Et là, les deux snipers, hop, tir croisé, excellent. Ok, oh là là, incroyable, la solidarité sniper, elle est... Non. Qu'est-ce qu'ils font? Mais wesh. Mais qui leur a demandé d'aller là-bas? Ils ont suivi le tank, c'est con. Wow, wow, wow. Oh putain, les cons. Mais arrêtez! Mais putain, heureusement qu'il n'y a pas une limite de plastique parce qu'ils me feraient chier ces imbéciles. Oh là. Il n'y a pas une tour ici ou je sais pas quoi. Putain. Ah, il s'est défendu. Bon. Allez, on arrive en force là. Là, on arrive. Merde. Ah bah, si, il me faudrait plus d'ambulance peut-être. Hein. Et en vrai, on devient fou au niveau des ressources. Heureusement qu'il y en a pas mal. Heureusement que le train passe pas parce que sinon il me pèterait toutes mes unités, je pense. Ok, bon. Là, ça va. Ok, c'est bon. What do you need? Oh, what up? Yes, sir. Ouais, tant que c'est super long à guérir, ça m'aide pas trop. Bon. Ready. All right. Déjà, ça te pétait, c'est pas mal. Ok, et là, on va rush le garage belge. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il peut pas avancer tranquillement, lui? Et ben, heureusement qu'on a pété le sniper, quand même. Peut-être en tapant dans les tonneaux, déjà ça pourrait faire pas mal de dégâts. Ouais, parfait. On avance. Oh, parfait! Et bah, ça a bien marché, hein. Le tonneau, je sais pas ce qu'il y avait ici, mais tout a explosé. Ah bah, impeccable. Ah, super. Mais reste encore des bâtiments beiges et je suppose que c'est cette caserne. Allez. Surtout pas attaquer le pont pour pas finir la mission tout de suite. Hein. Merde. Aïe, et bah l'hélico beige, il va me péter encore un hélico, je pense. Aïe. Bon. Voilà, il n'y a plus que mes tanks qui doivent faire le travail et c'est bon, je pense. Ouais, on n'a plus grand chose, hein. Ah, voilà, plus de beige, on a bien fouillé partout. Donc là, il va juste avoir ce truc de merde à faire là. On va activer cette loupe contre la DCA tout simplement. Alors, heureusement que j'ai quand même des chars, hein, c'est toujours très utile les chars, surtout là avec un bonus de. Ok, allez. Ah bah putain, encore un bâtiment. Bah je sais pas combien j'en aurais pété des tours en cette mission, mais il y avait que ça en fait. Qui? Ah, bon bah il y avait... Putain le con, t'aurais pas pu voir qu'il y avait la mine toi. Attention, un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que ça, je peux se faire tuer par des piques mines des fois quand ça bug. Ça m'est déjà arrivé de me faire surprendre avec ça, d'ailleurs depuis le début, je suis content de ne pas avoir été surpris là-dessus. Ah putain, il y a encore un. Franchement, il n'y a que ça. Il n'y a que DCA, des trucs comme ça. C'est vraiment une mission défensive là pour les Belges. C'est vraiment à vous de faire le jeu. Eux, ils font rien. Ah, bah tous les bâtiments ont été cassés, mais c'est bizarre. Ils disent que tous les bâtiments ont été pétés, mais il restait une DCA là-bas, si je me rappelle bien. Wesh. Ah, ils veulent chercher le plastique là-bas, oh, c'est des cons. Bon, ok. Il me semblait qu'il y avait une DCA là-bas, peut-être qu'il l'a pas compté, lui. Ouais. Est-ce que ça a bien marché, mon plan? Ouais, ça marche. Ça marche, mais pas sur la DCA. Du coup, la question se pose. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il a tiré, ça a pété la côte. Ah, ils veulent tirer sur le pont. Trop con. Tu veux que ça te pète pas à la gueule. Bon, ouais, du coup, il reste encore un dernier bâtiment. Et bon, allez, on va être bon joueur, on va essayer de le tuer. Donc, je vais renvoyer un hélicoptère. Merde. Mais, évidemment, je pense que c'était bon la mission, je l'avais fini. Ils comptent pas les bâtiments hors map, on va dire, je pense. Ils nous ont pas compté les bâtiments là-bas. Bon. Ouais, pas louper la DCA par contre. Hein. Ma loupe, elle est bientôt prête.
Ouais. Mais il manquerait plus qu'il colle une DCA là-bas. Oui. Ouais, c'est un peu bizarre ici. Bon allez, on a presque fini les gars, c'est presque bon. Ouais, ils comptent pas les bâtiments en map. Bon bah, c'est bon à savoir, je pense, pour vous. Ouais, bah merde. Ah merde. Bon, on va pas faire d'hélico, on va faire la loupe. Oh, elle est remplie de plastique, là, comment ça se fait? Ah, mais en même temps, mais... Bon, imbécile. Mais non, pas toi! Vous. Ouais, allez, la loupe est prête, il faut pas louper la cible. Pas louper le coche, comme on dit. Non! 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 Mais... Ah, le con, ça a sectionné l'opérateur radio! Mais non! Attends, bon, bah là, technique ultime. Mais non, mais putain! Quel con, je voulais sectionner la loupe, j'ai fait double clic, ça me l'aime. Qui? Oui, bah allez, ça y est, on va tous péter. Merde, y'a pas un hélico là? Oui, je sais qu'il y a une mine ici, ça y est, on a bien compris. Viens avec ta poêle, toi. Ah oui, y'en avait un là par là, hélico. Oui! Ah, le héros. Oh, excellent, excellent. Bon, on va pouvoir péter le pont. Comment on va le péter ce pont d'ailleurs? Bah, autant que je pense que ça devrait aller. Voilà, bah heureusement que tu l'as déminé. Ouais, bon, allez. Il est où? Il est où? Mais arrête, toi, imbécile! On va recycler la caserne. Bon, allez, ouais. Allez, dernier hélicoptère, on en finit avec ces trucs-là. Parce qu'en fait, j'ai peur que ça... Non, je pense pas que ça buggerait, mais bon, comme c'est encore un dernier bâtiment beige, et bon, on va l'avoir, on va être... On va jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà. Bon, allez, bon, je suis un peu pressé d'en finir, parce que ça me saoule, cette histoire de fond, là. Allez, ouais, toi, t'oublie pas. Quoi? Ça va peut-être aller, les snipers, là, mais c'est une colonie de vacances, hein, ce point, quoi. Ouais, te loupe pas, te loupe pas. Allez! Oui, en 3 coups, ça me... Bon, parfait. Maintenant, on a le pont, avec sa vie un peu décalée. Bon, ok, ouais, bien. Allez! Allez faire la fête au pont. Que là maintenant on a bien la petite case qui est cochée, ouais voilà, on a détruit tous les bâtiments, c'est parfait. Allez, on fait retirer le pont maintenant. Je sais pas quand on va l'avoir ce pont. D'accord. Bah super, on a que des imbéciles. Merde, il me refaut peut-être une loupe pour avoir ce pont. Ah bah j'ai plus d'électricité, j'ai plus de plastique, c'est super ça. C'est quoi ce bug? Bon, et l'hélicoptère ils sont où? J'ai pas demandé des hélicos. Ah, mais c'est pas normal. Et pourquoi ça pète pas là? Bah j'ai ramené... Ah Scorch, il me semble que Scorch il est arrivé de péter le pont. Dans mes souvenirs, je détruisais à Scorch ce pont. Bon, on va le faire à l'hélicoptère et si ça marche pas, on va ramener Scorch. Mais quoi? Non, je peux peut-être avancer un peu. Non. Bon, et bah le char vert n'arrive pas à détruire le pont, peut-être l'hélicoptère. Bah je pense que c'est l'hélicoptère la solution. Ou l'airstrike. Ouais, allez. Et zéro dégâts, hein. Bon l'hélicoptère. C'est quoi ce putain de merde? Allez, go hélico. Ça fait combien de temps qu'on est sur cette mission? Ah, 46 minutes quand même, hein. Elle est longue. Bon allez. Ah, l'hélicoptère ça marche. Ok, bon bah parfait, fallait juste un hélicoptère. Bon bah retenez bien, pour casser le pont, il vous faudra un hélico. Bon bah c'est bon les gars, vous pouvez rentrer. Bon parfait, vive l'hélicoptère. Hein. Franchement l'hélicoptère il nous aide de plus en plus dans les missions. L'hélicoptère dans RTS c'est la meilleure unité, hein, je pense vraiment avec le char et le sniper. Mais... Voilà, hop, on range les tanks, on les garde comme un porc. C'est pas grave. Allez, c'est fait. C'est fait, mission 12. Eh, en une prise, les gars! En une prise, ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé que j'en suis fier, là. Vidéo en une prise, impeccable. Ah, j'ai cru que ça allait bugger, j'ai dit, il a plus de vie et ça meurt pas, quoi. Oh non! Les orphelins! Attention, le train qui arrive, Blinz se commande et Blinz qui se crache! Bon, voilà. Bon, en vrai, je vois pas pourquoi une maquette exploserait autant, mais bon, c'est pas grave. I can't think of anything more rewarding than a massive train wreck. Am I right?
Oh, lui, c'est un imbécile, il a dit quoi qu'il avait pour lui rien de mieux qu'une explosion de train. Médaille d'or, voilà. Alors, petit débriefing, t'as servi à rien, et tu m'as un tout petit peu servi. Les chars, je vous remercie, et vous, les icônes, je vous remercie. Voilà. Ouais, elle était longue quand même, hein. Détruire toutes les fourmis, détruire tous les bâtiments belges, impeccable, c'est bon, c'est fait. Et là, on arrivera à la mission 13, donc on a détruit le train, maintenant on fonce droit vers le village des Belges. Vous voyez, on se rapproche petit à petit de la fin de la maquette, et je vous laisse imaginer ce qu'il y a à la fin de la maquette. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était peut-être pas la plus excitante, mais fallait la faire pour avancer, du coup, elle est faite, et prochainement, mission 13, village des Belges. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à vous de voir, et je vous dis à très vite.